Même si quelques semaines ont passé, le sergent Olivier et le lieutenant Sébastien restent marqués par leur mission à Mulhouse. C'était une mission exceptionnelle. Nous étions cette fois-ci sur le territoire français et c'est en ça que c'était... Voilà, c'est jamais vu vraiment exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot, je dirais. Le 17 mars, ils sont appelés à rejoindre la ville du Haut-Rhin. Là-bas, l'épidémie explose. Les hôpitaux, saturés, ne peuvent alors plus accueillir à eux seuls les patients les plus graves. Le président de la République, Emmanuel Macron, décide alors de mobiliser l'armée. Le début de l'opération Résilience. À Mulhouse, un hôpital de campagne de 30 lits est construit pour soulager les établissements débordés. S'engage alors une course contre la montre. Le défi a été vraiment au niveau de l'appareillage, en gros tous les dispositifs médicaux. Il a fallu créer le réseau électrique, l'Internet également pour la gestion des dossiers. Enfin, c'est tout la question logistique derrière. 3 jours après le début de sa construction, l'hôpital prend en charge ses premiers patients. L'opération Résilience s'avérera être un élément clé dans la lutte contre l'épidémie, grâce aussi à la mise à disposition de ses moyens aériens. Pendant plusieurs semaines, les avions militaires transporteront de nombreux malades vers des régions moins touchées par le virus. Aujourd'hui, la France remercie ces femmes et ces hommes qui défileront mardi à l'occasion du 14 juillet. Une reconnaissance énorme. Enfin, je pense que pour tout militaire, c'est un honneur d'être sur le 14 juillet. L'opération Résilience est toujours déployée en Guyane et à Mayotte, où l'épidémie progresse.